Ah, c'est vraiment le temps idéal pour ne rien faire de la journée. Papa Pig adore ne rien faire. Comment être plus heureux? J'ai trouvé, avec une tasse de thé. Papy Pig est venu rendre visite à Peppa et George. Papy Pig! Papy! Bonjour Peppa, bonjour George. Aujourd'hui, vous allez avoir votre propre jardin de fleurs. Oh! Un jardin rien que pour George et moi? Voici un sachet de graines de fleurs pour chacun d'entre vous. Maintenant, il faut choisir un bel endroit ensoleillé pour planter vos graines. Ici, ce sera parfait. Papy Pig creuse un trou pour faire le jardin de Peppa et George. Oh! Ah! Du thé pour les travailleurs! Merci beaucoup, Papa Pig! Qu'est-ce que vous faites? On plante des graines pour faire un jardin de fleurs! Croyez-vous que ce soit bien nécessaire? Oui! Mais c'est ici que j'ai l'habitude d'installer ma chaise! Dans la vie, il y a des choses plus importantes que les chaises, Papa Pig! Mais c'est toujours à cet endroit que je lis mon journal! Tu sais, il y a des choses beaucoup plus importantes que les journaux dans la vie, Papa Pig! Oui, comme les fleurs, par exemple. Regarde, papa. Peppa a beaucoup de graines de fleurs, alors que George n'en a qu'une. Oh! Mais au moins, elle est grosse. Peux-tu aller nous remplir ces arrosoirs, Papa Pig? Bon, d'accord. Les graines ont besoin d'eau pour pousser, d'autant plus qu'elles ont très soif. Oh! Voilà des petits oiseaux. Ne laisse surtout pas les oiseaux picorer les graines, Peppa. Oust, oust! Allez-vous-en, les petits oiseaux! J'ai rempli les arrosoirs. On dirait que papa a fait fuir les oiseaux. Oh, oh, oh! Il faut dire qu'il ressemble à un épouvantail. Nickelodeon Junior, en exclusivité sur CanalSat et Numéricable.